quittant ce marche-fer tout à l'heure, vous ne serez plus tout à fait les mêmes. Vous foulez cette terre que tant de vos aînés ont foulée avant vous. Ce soir, dans la trace de vos anciens et de vos parrains, vous devenez à votre tour les officiers de l'armée de terre. Cela signifie que vous êtes désormais prêts à commander. Ce mot sublime, commander, est souvent calvaudé, incompris. Il est pourtant l'essence même de votre engagement et de votre formation. Je sais que vous avez appris ici à en connaître toutes les dimensions, faites de rigueur, de travail, d'engagement, de dépassement de soi, mais aussi d'humanité, d'humour, d'amitié et de partage. Les missions qui vous attendent vous honorent tout autant qu'elles vous obligent. Elles vous pousseront toujours à vous placer devant, à montrer l'exemple, à combattre avec et pour vos hommes, à réfléchir, à prévoir, mais aussi à agir. Chacun, à votre niveau, vous devenez ainsi des acteurs responsables du devenir de notre nation. Vous êtes le visage de l'armée de demain. Vous en incarnez la diversité, les ambitions et la force. Vous venez de tous les milieux, de toutes les régions de France, et vous avez connu tout type de formations académiques. Certains ont eu une vocation précoce. D'autres ont découvert plus tard l'appel des armes. Mais ce qui compte ce soir, c'est que grâce à vos instructeurs, grâce au corps professoral, mais aussi grâce à vos camarades et à l'expérience de chacun, vous avez pu forger une cohésion forte et indéfectible. C'est cet esprit de corps qui devra vous animer pour toute votre carrière d'officier et que vous devrez transmettre à votre tour à ceux que vous aurez l'honneur de commander. En effet, chacun d'entre vous doit avoir conscience de son rôle de passeur dans la longue cohorte des officiers français, où votre place est à la fois essentielle et éphémère. En effet, vous avez choisi un métier où la vie et la mort se côtoient et s'entremêlent. Comme doit nous le rappeler le décès brutal de votre camarade, l'élève officier Mahaman Seiji, disparu en pleine jeunesse, alors qu'il rentrait passer quelques jours dans son pays. Cette disparition doit vous rappeler que l'imprévu peut toujours frapper et que c'est l'unité et la cohésion apprises ici permettent de faire face à l'adversité. Vous serez forts parce que vous serez unis. Cette disparition doit aussi vous rappeler que c'est en vivant pleinement, intensément, toutes les missions qui vous seront données que vous pourrez surmonter les obstacles. Vous serez plus forts parce que vous serez engagés. L'engagement. Voilà encore un mot auquel vos promotions devront donner un sens. Vos parrains en sont les fiers exemples et les modèles que vous pourrez suivre. Du chef d'escadron de Neuchèze, retenez que vous combattez d'abord pour la liberté, que rien n'est trop fort pour la protéger, et ce, jusqu'au sacrifice ultime.
retenez de lui l'intelligence, le culot aussi. Du colonel Valet Dosia, retenez la fougue et le courage. Retenez l'audace et le respect des hommes et des populations. Votre engagement aujourd'hui se fait au service de la France, de sa devise, de son drapeau. Portez-les fièrement. Ils sont ce qui unit au-dessus de tout. Ils sont le dernier refuge de ceux qui ont tout perdu. Ils sont le signe de la liberté pour des millions de personnes à travers le monde. Nourrissez-vous des valeurs de notre République qui prend ses racines dans la Rome antique, dont les trois principales vertus, toujours vivantes, feront de vous les gardiens bienveillants de notre pays bien-aimé. La virtu, d'abord, et la défense de la patrie, le courage et l'énergie inépuisable. Vous montrerez à vos hommes l'exemple, leur montrerez la pugnacité, vous les précéderez et serez avec eux dans tous les combats. La vertu se trouve en chacun, du jeune engagé au général. Il suffit de la laisser éclore et de la laisser vous guider pour juger, puis décider. La finesse ensuite, et la fidélité et l'honneur. Elle est ce lien indéfectible qui existe entre vous et vos hommes, entre vous et la France. La loyauté est le gage de la confiance. Montrez-vous juste et écoutez. Sachez connaître ceux qui vous entourent et faire naître en eux l'esprit de fraternité grâce auquel chacun vaut pour ce qu'il est vraiment. La pietas, enfin, est le sens du devoir et du sacrifice. Elle est celle qui a animé vos parents. Elle est celle qui vous fait dompter la peur, qui en fait une alliée et non plus un frein. Elle est celle qui inspire aux hommes le respect et forge à jamais les caractères. En devenant officier, vous en acceptez les risques et vous liez votre destin à celui de la nation. L'idéal qui vous anime va vous conduire sur la voie du dépassement de vous-même et, s'il le faut, jusqu'au sacrifice suprême. Ce soir, vous affirmez que la paix et la liberté, partout dans le monde où la France s'engage pour elle, méritent un sacrifice bien plus important que vos propres vies. Élèves officiers, officiers élèves, les défis qui vous attendent sont infinis et pour beaucoup, nous les ignorons encore. Vous allez maintenant rejoindre l'école d'application et dans un an, vous serez pleinement des chefs militaires. Certains d'entre vous s'engageront sur notre sol. D'autres encore partiront défendre nos valeurs au-delà de nos frontières sur les théâtres d'opérations extérieures. Où que vous soyez, vous devrez alors garder au cœur les valeurs qui font de vous des officiers. Vous devrez vous préparer à combattre des ennemis nouveaux, aux modes d'action imprévisibles, et sans cesse plus perfectionné. Votre intelligence, votre esprit d'analyse et votre engagement au combat
sont les gages de la réussite de notre défense et de sa capacité à évoluer sans cesse face aux menaces. Ce marshmallow a été le témoin de tant de triomphes. Il a vu tant de vos pères, connu tant d'honneurs et parfois tant de drames. En le foulant ce soir, pensez à tous ceux de vos anciens qui vous ont précédés. Gardez la tête haute. Vivez intensément vos vies d'officier. Et ne renoncez jamais à vos ambitions ni à vos rêves. Donnez tout pour la France. Elle vous attend. Vive la République. Vive la France. Remettez les galons. Thank you.
dispositions préparatoires au baptême de la 2e brigade de l'école militaire fédérale. Repos. Donnerez-vous cette promotion de l'école militaire interarmes. Cette promotion de l'école militaire interarmes portera le nom de lieutenant-colonel Méret. Reposez. Stop. Né en 1916 à Dijon, Louis Méret s'engage au 6e bataillon de chasseurs alpins en octobre 1936. En
septembre 1939, le sergent Méret participe avec le 12e bataillon de chasseurs alpins à la campagne de Norvège, au sein de la section des terreurs skieurs, et en revient avec une citation à l'ordre de l'armée et la croix de guerre norvégienne. De retour en France, il s'engage dès juillet 1940 dans les forces françaises libres. Parti de Liverpool pour le Levant en octobre 1941, il entame sa formation de parachutiste en mai 1942 au sein du French Squadron au Moyen-Orient. Promu sous-lieutenant et breveté parachutiste en juin 1942, il participe en qualité de chef de section à toutes les actions de son unité en Libye et en Cyrénaïque. Rentré en Angleterre en avril 1943 et affecté au bataillon de parachutistes de Camberley, qui deviendra par la suite le 2e régiment de chasseurs parachutistes, le lieutenant Méret poursuit l'entraînement en vue du débarquement allié. Parachuté dans la nuit du 7 au 8 juin 1944 en Bretagne, près de Redon, il se distingue par le calme et le sang-froid dont il fait preuve en menant avec brio les missions de sabotage pour la voie ferrée de Paris-Vagne et durant les combats de Saint-Marcel. Il entre le premier à Vannes, précédant les troupes américaines et prenant position pour la défense et le nettoyage de la ville. En septembre 1944, il participe au combat sur la Loire, où son peloton détruit le pont de Sancerre, et au combat des Ardennes en décembre 1944. Le 7 avril 1945, il est parachuté avec 700 SAS français à Assen pour prendre part à la libération de la Hollande et éviter que le pays soit ravagé par une destruction de ses digues. Désigné pour l'Indochine en octobre 1951, il sert successivement au 6e et au 2e bataillon de parachutistes coloniaux, puis au 8e groupe de chasseurs parachutistes, et se distingue particulièrement au cours des opérations menées en pays Thaï du 10 au 19 novembre 1953. En novembre 1957, il est affecté au 22e bataillon de chasseurs alpins en Grande-Kabylie. Il est blessé par l'explosion d'un obus à Adazmat le 30 mai 1958. En janvier 1959, il est promu au grade de chef de bataillon. Et deux ans plus tard, il est affecté à l'état-major à Paris, où il prend les fonctions de chef de bureau de mission de la sécurité militaire. Promu lieutenant-colonel en août 1964, il quitte le service actif et assure la présidence de la section locale de l'Association des Français Libres, des SAS, Special Air Service, et des combattants volontaires de la Résistance. Le lieutenant-colonel Louis Méret décède à Toulouse le 3 octobre 1998. Cité 12 fois, dont 8 à l'ordre de l'armée, blessé 2 fois, le lieutenant-colonel Méret s'est illustré durant toute la Seconde Guerre mondiale par son courage au combat, sa participation à toutes les actions d'éclat du 2e régiment de chasseurs parachutistes lui ont d'ailleurs valu l'autorisation de porter, à titre personnel, la fourragère et couleur de la Légion d'honneur. Officier d'une haute valeur morale, il représente pour les jeunes officiers l'incarnation du dévouement sous sa forme la plus dure. Les élèves officiers de la promotion lieutenant-colonel Méret ont l'honneur d'accueillir ce soir le drapeau du 1er régiment de parachutistes d'infanterie de marine, hérité des unités SAS au sein desquelles leur parrain s'est illustré. Come.
À genoux. Les hommes. Mes chers bazars, ce soir, je me présente une dernière fois devant vous. Le temps est venu où une promotion va se lever, conformément aux plus vieilles traditions de notre chère école. Le chemin qui vous a mené jusqu'ici vous réserve encore bien des surprises. Tâchez de l'arpenter. Tout comme votre parrain, l'homme qui sera bientôt votre parrain de promotion, la fête avant vous. Ne vous dérobez pas à l'appel du service de la patrie, car désormais, vous êtes les hommes sur lesquels la France comptera demain. Alors, sachez toujours garder la tête haute et faites resplendir à tout jamais le nom de votre promotion. Bon vent, messieurs les officiers. Mon général, quel nom portera cette promotion de l'école spéciale militaire de Saint-Cyr ? Cette promotion de l'école spéciale militaire de Saint-Cyr portera le nom de Général Loustonolaco. Né en avril 1894 à Pau, Georges Loustonolaco intègre Saint-Cyr en 1912 au sein de la promotion Montmiral, promotion qui versera l'un des plus lourds tributs de la Grande Guerre avec 233 de ses 400 élèves morts pour la France. Sous-lieutenant en 1914, d'emblée engagé dans la guerre, il se distingue par son courage et sa détermination dans les rangs du 132e régiment d'infanterie. Il mérite la première de ses 5 citations, en assurant seul la liaison avec l'état-major dans le début du jeu de l'allemand, avant de prendre la tête du détachement chargé de la garde du drapeau de son régiment sur l'Aisne. Pour son courage sous le feu, à Reims, à Verdun et dans la Somme, il est décoré de la Légion d'honneur à 23 ans. Le 22 novembre 1918, le capitaine Loustonolaco a l'honneur de commander la première patrouille qui entre dans Strasbourg après 48 ans de présence allemande. Admis à l'école de guerre en 1922, le capitaine Loustonolaco en sort major. Il rejoint ensuite le Maroc, où il s'illustre une fois de plus au sein de l'état-major du maréchal Pétain pendant la guerre du Rif. Puis, c'est la Rhénanie et la Grèce où il sert comme conseiller militaire. Promu chef de bataillon, il prend le commandement du 24e bataillon de chasseurs alpins en 1932. Il met en application ses théories sur le combat d'infanterie. Il rejoint à nouveau le cabinet du maréchal Pétain. Au printemps 1940, alors que l'armée française connaît le plus grand désastre de son histoire, il tient tête aux blindés de Romaine sur la Saône, entre Marne et Meuse, dans la région de Vitry-François, détruisant 22 chars allemands avant de s'effondrer, grièvement blessé d'une balle dans le dos. Fait prisonnier, il parvient à s'évader et rejoint la zone libre. Le commandant Loustonolaco s'appuie alors à Vichy sur ses contacts d'avant-guerre pour mettre sur pied le réseau de résistance Alliance, qui sera considéré par le général de Gaulle comme l'un des plus efficaces. Ce réseau s'étend dans toute la France et renseigne directement l'intelligence service britannique. Dès 1941, Loustonolaco est recherché par les Allemands. Capturé en 42, torturé durant 6 mois dans les caves de la Gestapo, il est déporté à Mauthausen au terme de 54 interrogatoires en n'ayant jamais livré la moindre information. Jusque dans les camps, le commandant Loustonolaco s'affirme comme un chef énergique et un homme de caractère, protégeant ses camarades et n'hésitant pas à parler en leur nom. Il survit par miracle aux marches de la mort et est libéré en avril 1945. Rentré en France, il se heurte au sectarisme de l'après-guerre. Lui, dont l'engagement pour la libération du pays avait toujours été l'unique ligne de conduite. L'historien Simon Epstein résumera ainsi ce parcours atypique. Nombre d'antifascistes de 1936, basculés collaborateurs en 1940, mais experts à se faire pardonner en 1944, auront connu une libération plus paisible que celle qui s'acharna sur ce résistant de la première heure, rescapé de Mauthausen et des marches de la mort. Il rédige ses mémoires
au titre hautement symbolique de mémoire d'un Français rebelle et plusieurs autres ouvrages qui expriment sa pensée riche et ses fortes convictions. Élu député du Béarn en 1951, il siège à l'Assemblée nationale. Victime d'un malaise le 11 février 1955, alors qu'il vient d'être nommé général de brigade, il meurt chez lui le jour même. Héros de guerre et ardent patriote, le général Gusto Nolasco incarne magnifiquement la droiture, la fidélité à ses idéaux et le service désintéressé de la France. Il eut toujours la force de demeurer, envers et contre tout, dans ses combats comme dans son âme, un Français libre. Sous la flamme de vos yeux.
immense en votre nom servira. Limite au lard des vivres avant nos esprits.
Paris.